Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo tuto à la demande de Océane qui souhaitait savoir comment je réalisais mon petit coffret surprise qu'elle avait vu sur une de mes vidéos qui s'intitule Scrapbooking coffret surprise plus carte d'anniversaire, toujours sous le nom de la fée Lulubelle. Apparemment donc elle a vraiment beaucoup aimé cette petite boîte et elle aimerait la réaliser elle-même, donc elle aurait voulu avoir des petits conseils pour la faire. Moi j'en ai pas sous les yeux, enfin j'en ai pas sous la main, j'ai vraiment que celle-ci qui me reste. Bon, elle est différente puisqu'elle est plutôt haute, enfin plus haute que large. Celle de la vidéo que tu as vue, Océane, elle était vraiment carrée. Mais bon, c'est le même principe, hein. Ça reste une petite boîte, voilà, comme ça, quand on l'ouvre, après on peut y glisser plein de petites choses. Toi tu as vu la vidéo, si d'autres personnes sont intéressées, qu'elles regardent la vidéo scrapbooking coffret surprise plus carte d'anniversaire, elles comprendront de quoi je parle. Voilà, donc pour réaliser une petite boîte comme ceci, il te faudra du papier scrap, alors voilà un papier qui me reste, recto verso, un motif. Donc comme c'est un papier un petit peu cartonné, c'est l'idéal pour réaliser cette petite boîte. Puis des petits papiers, pareil, un petit peu cartonnés, ou même s'ils sont plus fins, c'est pas bien grave, dans le même style. Là c'est des petites chutes qu'il me reste, on l'a uni, pailleté ou alors un motif, quelque chose qui s'harmonise en fait bien avec ton papier de départ. Voilà, donc là je vais te montrer le tuto en fait sur une feuille de papier 80 grammes, hein, donc ça restera vraiment beaucoup plus mou, mais ne fais pas attention, c'est simplement pour que tu aies le schéma de la construction. Donc après le papier, il te faudra un crayon de papier, une paire de ciseaux ou un massicot, un petit outil comme ça qui sert à plier les feuilles, donc si tu connais, c'est bien si tu l'as. Sinon, à savoir que si tu as un massicot, tu peux également, sur certains modèles, adapter des petites lames qui ne servent pas à couper, mais qui servent à plier. Voilà, donc celles qui connaissent en ont peut-être chez elles. Donc, et du scotch double face, tout simplement. Pas besoin de colle ni autre. Moi, tout ce que j'ai pu coller dessus, même celle-ci, je l'ai fait avec du double face. C'est plus propre et plus rapide que la colle. Au moins, ça ne touche pas quand, dès qu'on vient le placer sur le coffret. Donc, une fois que tu as toutes ces petites choses, tu prends ton papier. Donc, il faut qu'il soit vraiment carré. Donc là, j'ai coupé la feuille 21 sur 21 hein, pour avoir vraiment un carré. Mais la vidéo est faite avec une feuille qui fait 24 sur 24. Comme ça, tu obtiens une boîte qui fait 8 cm de côté. 8 cm de côté, 8 cm de hauteur. Voilà, parce qu'en fait le tout c'est de fractionner ta feuille de départ qui est carrée en trois parties égales et faire un quadrillage de façon à ce que tu te retrouves avec 9 carreaux de même taille. Donc on va imaginer que cette feuille fait 24 sur 24 puisque celle de la vidéo faisait cette dimension. Donc tu vas faire tes traits, des petits repères à 8 cm. Puis à 16 cm en haut, en bas, sur tous les côtés également. Donc de façon à obtenir vraiment le quadrillage. Alors je vais te le faire rapidement pour que tu aies vraiment une idée de ce que tu vas obtenir. Voilà. Une fois que tes points sont marqués, le mieux c'est de venir avec ton outil à plier pour vraiment tracer, rejoindre tes deux points à chaque fois, les deux points qui se retrouvent être l'un en face de l'autre. Moi je vais le faire au crayon de papier pour te montrer le quadrillage que tu dois obtenir, mais fais-le plutôt directement avec le plioir, ça t'évitera d'avoir à effacer après tous tes traits de crayon. Des fois, ça peut laisser des marques sur le papier, suivant le papier que tu vas utiliser pour faire ta boîte. Donc, privilégie plutôt le plioir. Voilà, tu vas obtenir vraiment une feuille avec 9 carrés identiques.
Une fois que tu auras obtenu ceci, tu vas rejoindre les quatre carrés qui sont vraiment aux extrémités. Tu vas faire rejoindre les deux traits, les deux marques que tu avais au départ. Voilà, de façon à couper ton carré en deux. En sachant que la partie qui se retrouve vers l'extérieur de ta feuille, que je hachure là, sera enlevée. Donc, tu fais ça pour tes quatre côtés. Donc là, tu pourras directement tracer au cutter ou alors au crayon et puis après avec le ciseau, hein, si tu veux couper bien droit. Et tu viens éliminer les quatre parties, donc hachurées, pour après, au final, obtenir voilà, une forme comme ça. Voilà, on voit toujours mes carreaux qui sont tracés. Alors, sur lesquels je suis venue retracer un trait qui vient, en fait, qui part d'une extrémité à l'autre. Alors, le mieux, c'est de placer ta règle vraiment aux pointes de tes deux triangles obtenus face à face. Et une fois que tu es ici, tu prends ton plioir. Tu ne traces pas au crayon, c'est pas utile non plus. Tu prends ton plioir et tu viens marquer tes plis. Comme ça. Vraiment à la place des crayons, du crayon là que j'ai fait. Et pareil pour l'autre côté. Donc voilà, les deux traits doivent vraiment se rejoindre. Mais ne fais rien ici, ça te l'abîmerait. Ne passe pas ton plioir vraiment sur le carré du centre, puisque c'est ce centre qui te servira de base après à ta boîte. Voilà, donc une fois que tu as marqué tes plis, tu viens retourner ta feuille et tu les remarques de l'autre côté. Tu comprendras pourquoi par la suite. Voilà, les quatre, donc tu les remarques vraiment avec ta règle. Tu fais bien tes plis de l'autre côté. Juste pour ces plis-là, pas besoin vraiment pour les autres plis. Ça devrait suffire juste sur un seul côté. Donc, au final, tu vas obtenir ceci. Ta boîte sera déjà presque terminée. Tu replies bien partout pour que tout soit bien, bien plat, que tout se plie très, très bien, comme ça. Et donc, ceux-là que tu as fait plus tôt, que tu as marqué sur le verso de ta feuille, c'est là que ça va te servir, puisque une fois que tu auras fait tes plis des carrés, quand tu ramèneras tes deux carrés l'un vers l'autre, tu auras forcément ton pli qui viendra se former vers l'intérieur de ta boîte, comme ceci. Voilà, voilà pourquoi il est bien de replier sur l'envers de ta feuille ces plis-là, les plis de la diagonale. Donc voilà, une fois que tu as tout rassemblé, tu viens simplement tout remonter ensemble et ta boîte tiendra. Là, elle ne tient pas puisque c'est une feuille 80 grammes, mais on voit voilà, qu'elle tient très bien quand il s'agit d'un papier un petit peu plus épais. Donc sur la vidéo, j'avais fait passer un petit cordon à l'intérieur de la boîte pour qu'elle reste vraiment toujours bien en forme. Suffit simplement de faire des petits trous sur les quatre petites languettes, là, les quatre petits coins, soit à l'aide d'un petit appareil à poser des œillets ou à percer les œillets qui va très bien, parce que à la limite les œillets ça peut être un renfort supplémentaire si tu as peur que par la suite ton ruban déchire ta feuille, mais sinon tu n'es pas obligé, tu vois, là ça a été percé, le ruban est passé plusieurs fois dedans et ça ne l'a pas déchiré. Hein. Le trou est toujours intact. Donc ça, on fait comme on veut. Donc ensuite, tu vas venir décorer l'intérieur de ta boîte. Donc tout bêtement, avec tes papiers assortis, avec des couleurs rapprochantes du papier de départ. Tu vas simplement, donc si tu as des carrés de 8 sur 8, tu vas simplement prendre dans ton papier des carrés qui vont faire 7 sur 7, de façon à laisser 1 cm vraiment, un demi en haut, un demi en bas, un demi ici, un demi sur l'autre côté, pour qu'on voit quand même ton papier du dessous apparent. Surtout quand c'est un beau papier, c'est utile quand même, c'est plus joli qu'on voit bien le papier de départ, plutôt qu'il soit tout recouvert. Voilà, donc fais bien tes carrés 1 cm de moins que ta base de boîte. Donc, je te répète, si ta boîte fait 8 sur 8, fais bien tes carrés de 7 sur 7.
Voilà. Après ces parties-là, tu peux le décorer, faire écrire des petites choses, enfin à ta façon, coller aussi du papier. Ça, c'est comme on souhaite. Donc voilà, ta boîte est terminée. Maintenant, pour faire le couvercle, donc ce système-là, voilà, qui a les rabats sur l'intérieur, il te faudra partir d'une... donc ta boîte fait 8 sur 8, donc tu prendras ta taille de départ de 8,5 déjà, 8,5 cm, de façon à ce qu'elle s'emboîte bien dessus, auquel tu vas ajouter 2 cm de chaque côté pour obtenir les rebords. Donc, sur 8 cm, je vais te tracer ça sur à peu près, donc 8,5 cm, il faudra compter donc 12,5 cm au total. 12,5 sur 12,5, voilà, de façon à obtenir ceci. Donc, sur le carré de 12,5, tu vas faire un pli, marquer un pli à 2 en partant de la gauche et à 2 en partant de la droite. Pareil pour le bas et pareil pour les autres côtés, les deux autres côtés du carré. Voilà. Tu vas plier, alors là je trace pour que tu vois mieux, comme pour la boîte. Mais tout ceci, voilà, c'est plié. Donc, de façon à obtenir comme quelque chose comme ça, approchant. Donc, l'intérieur, je te répète, c'est la dimension de ta boîte. Donc, elle fera 8 sur 8. Donc, c'est 8 auquel tu ajoutes un demi centimètre pour pouvoir bien emboîter ton couvercle. Donc, 8,5 plus 2. Plus 2. Voilà. Comme ceci. Donc, soit un total de 12,5 sur 12,5. J'espère que je serai assez claire dans mes explications. N'hésite pas au cas où à me laisser un message si tu n'as pas tout bien compris. Mais bon, ça devrait peut-être aller. Une fois que tu as obtenu ceci, je dois avoir un petit modèle que j'avais fait. Voilà. Tu vas venir, donc marque bien tous tes plis, hein, partout, et ensuite tu vas venir faire une fente juste sur un des côtés du petit carré que tu as dans chaque coin. Voilà, juste un, pas les deux. Un là, un ici, peu importe dans quel sens, du moment que tu coupes juste sur un côté de ton petit carré. Une fois que c'est coupé, donc tes plis seront marqués. Je vais reprendre un modèle que j'ai fait un petit peu plus petit. Une fois que tes plis seront marqués, tu vas simplement venir coller une petite pastille de scotch double face sur la petite partie amovible qui se trouve là. Et tu vas simplement venir plier et rabattre le grand côté sur ta petite languette. Toujours la languette à l'intérieur de ta boîte. Voilà, de façon à obtenir quelque chose comme ça. Voilà, si tu vois à peu près. Voilà, et ta boîte, le couvercle de ta boîte est terminé. Donc après, à toi aussi de la décorer. Pareil, tu repars avec un centimètre de moins pour un carré. Pour un carré sur le dessus de ta boîte. Et puis après, ben là, tu fais pareil, des petits rectangles, un petit peu plus petits également, pour qu'on puisse voir apparaître ton papier du dessous. Voilà, une fois que tout ça est fait, tu rassembles tes deux parties. Tu peux fermer. Voilà, donc moi, celle-ci, je te montre ce que j'avais fait comme système. Tu prends un petit ruban. Une fois que tu as tout percé, voilà. Hop.
ferme ta boîte, ton ruban, et ensuite tu peux faire un joli petit nœud sur le dessus. Voilà, et ta petite boîte cadeau est terminée. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est plutôt sympa à faire, et puis en fait ça fait une jolie petite boîte cadeau pour y glisser un petit bijou ou autre à l'intérieur. Voilà, donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur le petit tuto que je viens de te faire, ou si tu veux savoir d'autres petites choses, que ce soit sur du scrapbooking, des bijoux fantasy. Je ne sais pas si tu as vu les autres vidéos que j'ai pu mettre en ligne. Je fais des bracelets Shambhala, là j'ai des petits bracelets wrap, voilà, petites choses comme ça. Des petites fioles, de la décoden, enfin voilà, je m'intéresse quand même à pas mal de choses. Quand je vois des vidéos et que je trouve des choses belles, je regarde un petit peu comment c'est fait, je visionne d'autres vidéos, j'apprends comme ça et après je réalise à ma façon. Et ce qui fait que je suis partie au départ de la FIMO pour arriver au scrapbooking en passant par les bijoux. Enfin voilà, donc j'espère que tout aura été assez clair. N'hésite pas à me tenir au courant et voilà. En attendant, je te souhaite de bien travailler et de réussir à fabriquer toi-même ta petite boîte. Voilà, merci, bisous et à bientôt.